Une phrase musicale. Bien souvent, une phrase, qu'est-ce que c'est? C'est un langage qui s'apparente à la mélodie. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour bien écrire une phrase musicale et surtout comment bien l'enrichir? Si vous vous posez la question, je vous invite à écouter ce qui va suivre. Bien le bonjour, je suis Bruno de Composer Simplement et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai décidé de parler de phrases musicales et comment bien en créer une et comment bien l'enrichir. À la fin de cette vidéo-là, vous en saurez beaucoup plus sur le sujet et comment mieux écrire vos phrases. Et d'ailleurs, si vous êtes nouveau ici, je vous invite plus bas à vous procurer les 5 aides-mémoire de la composition musicale, dont je parle de mélodie, et la mélodie qui s'apparente aussi à la phrase. Donc, pour commencer, la musique, ça s'apparente à un langage. Fait que c'est la même affaire au niveau des lettres, au niveau des mots, puis au niveau des phrases, évidemment. Tout le parallèle avec la syntaxe, la grammaire et aussi l'orthographe. Et par définition, on pourrait dire qu'une note du genre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ça équivaut à une lettre. Et quand on fait un ensemble de lettres qui forment des mots, on pourrait dire que c'est des intervalles. Et évidemment, les intervalles vont former des accords. Et bon, là, vous me voyez venir. Mais avec tout ça, les mots vont former des phrases. Une définition pour une phrase musicale, c'est une portion de la musique qui fait du sens à nos oreilles quand on l'entend. Quand je dis fait du sens, ça veut dire qu'il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin. C'est vraiment un parallèle que je pourrais faire. Puis aussi, une phrase, ça se distingue au courant d'une chanson. Et comme j'ai fait aussi le parallèle, une phrase musicale pourrait être également vue comme la mélodie principale ou une mélodie secondaire, dépendant de où est-ce que vous êtes rendu dans votre chanson. Et une phrase peut-être longue, mais un peu même temps peut-être courte. Il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. À mon écran, qu'est-ce que j'ai? C'est la phrase de Fourelise de Beethoven, pour ceux qui connaissent bien. Fait que c'est sûr que ça a été distingué. C'est la première partie de la phrase entre les lignes bleues, c'est comme notre première partie. Et après ça, il y a la deuxième partie qui se suit, qui est sensiblement la même chose. Fait que je vais aller vous faire écouter ça. Bon, ça c'est un exemple très très typique, mais je vais le refaire jouer. Première portion. Globalement, on pourrait dire que Fourelise, c'est une phrase qui est composée de 4 mesures, mais c'est sûr qu'évidemment, il y a une partie qui se répète qui va jusqu'à 8 mesures avec une légère variante. Mais ça, c'est un bon exemple. Vous voyez un petit peu l'aspect répétitif, parce que c'est justement ça qui va faire que le monde va retenir une mélodie, c'est quand qu'il y a des motifs au travers de ça qui se répètent. Je pourrais donner un autre exemple parce que les phrases n'ont pas nécessairement besoin de toujours durer 4 mesures ou de durer 8 mesures comme je vous ai montré. L'autre exemple que j'ai, c'est Sonata de Mozart. Et vous voyez ici que dans la première mesure, il y a telle note, il y a telle autre note dans l'autre mesure. Mais là, vous voyez que dans la troisième, ça se répète. Et là, il y a une légère variante aussi à la quatrième. Fait que globalement, on pourrait dire que on pourrait dire que c'est une phrase de 2 mesures. Fait que je vais aller vous faire écouter ça. Mais je vais le refaire jouer. Fait que vous allez voir qu'il y a toujours un motif qui se répète. Il y a à peu près le même pattern de notes qui est joué.
c'est un autre exemple que je peux donner au niveau des phrases qui durent plus courtes et qui peut durer 2 mesures, 4 mesures ou même 8 mesures. Puis, quand vous faites une phrase initiale, c'est important que vous répétez certaines parties pour être sûr que le monde retienne un petit peu le message que vous voulez passer. Après que vous avez bâti votre première phrase, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour l'enrichir? C'est sûr que j'ai parlé au niveau de l'aspect de répéter certains motifs, mais une autre technique, ce serait de commencer sur des temps forts. Parce que une mesure dans une chanson, dépendant de ce que vous êtes, peut avoir deux temps, peut avoir 4 temps, 3, 5, 6, même jusqu'à 12, ça dépend de vous. Quand vous débutez votre phrase musicale sur les mesures qui sont avant et non directement sur le premier temps, ça va accentuer un petit peu la présence puis l'arrivée de cette phrase musicale-là. Un exemple un petit peu bizarre, c'est au niveau de la chanson de Bonne Fête. Là, j'ai Happy Birthday to You. Mais vous voyez que c'est en 3-4 ici. Et évidemment, bon, c'est un petit peu, ça se répète là. Mais vous voyez que les premières notes sont jouées à la fin de la première mesure et non directement au début, comme que vous voyez ici. Ça, on appelle ça un anacrouse. Fait que c'est débuter, comme que je vous ai dit, c'est débuter une mélodie sur le temps avant au lieu d'être directement sur le temps numéro 1. Fait que ça vient un petit peu accentuer, puis on utilise les temps forts là-dessus. Fait que je vais vous faire écouter ça. Bon, en tout cas, c'est sûr, j'ai pas besoin de la faire jouer au piano, mais vous connaissez ça. Fait que, on va. Que j'en reviens au début, vous voyez comment vous entendez encore une fois le côté des répétitions des motifs. Fait que dans les notes que c'est joué, ici ça se répète, ici ça se répète, ici aussi. Là, il y a une légère variante et on revient à la même chose après ça. Mais vous voyez, fait que ça fait pas 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça fait vraiment 1, 2, on commence la mesure. Ça, c'est un autre exemple que vous pouvez faire. Vous pouvez vraiment commencer sur la mesure avant pour venir accentuer un peu plus le temps fort. Puis au niveau de l'effet surprise aussi. Le dernier moyen que je vais vous donner pour enrichir une phrase musicale, ça serait au niveau de antécédent versus conséquent. Une phrase antécédente, ça veut dire qui est avant, et une phrase conséquente, ça veut dire qui est après. Et quand on mélange les deux ensemble, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a comme deux phrases qui se ressemblent typiquement, mais qui sont une à la suite de l'autre. Et c'est ce qui va surtout compter, c'est vraiment de la manière que vous finissez ça. Ça, je vais faire un rappel là, par rapport aux cadences. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les cadences, je vais vous la poster en description et sûrement dans le coin en haut à droite. Et une cadence, en fond, ce que ça fait, c'est que ça vient conclure une phrase musicale, que ce soit au niveau des accords. Généralement, c'est au niveau des accords, mais ça peut aussi se faire avec la mélodie. Et généralement, il y a les trucs du genre les demi-cadences, les cadences plagales, les cadences parfaites, les cadences imparfaites. Les cadences parfaites et plagales, c'est vraiment à caractère contrapuntif. Ça vient vraiment conclure la phrase comme le point final. Mais il y a les d'autres sortes, comme mettons la cadence imparfaite ou la demi-cadence. Ce que ça fait, c'est que ça vient comme soit poser comme une interrogation ou une virgule qui va poursuivre la prochaine phrase. Je vais vous donner un exemple avec ça. Qu'est-ce qu'on voit? C'est Green Sleeves. Qu'est-ce que c'est? C'est une chanson dans le folk anglais. Et j'ai pris cette chanson-là parce que
C'est un exemple typique de tout ce qui est donné pour tout au niveau des cadences et comment est-ce que la phrase A et la phrase comme A virgule, mais tu sais, qui pourrait être la phrase B. Et parce qu'ils sont sensiblement pareils, la différence c'est vraiment au niveau de la fin de chaque. Ah, juste avec, je pensais que vous avez remarqué que y a celle-là aussi qui commence avec un anacrouse. Encore une fois, vous avez remarqué comment est-ce que ces phrases musicales-là sont très très similaires, pour pas dire qu'ils se répètent, mais ce qui change, c'est vraiment la fin. Fait qu'on a remarqué que à la mesure ici, la mesure 9, là c'est pas écrit, que ça vient vraiment, ça vient pas conclure, mais ça vient comme poser une virgule, et après ça, on répète encore une fois la même phrase. Mais là, à la fin de cette phrase conséquente-là, il y a une autre note qui chante pour vraiment conclure cette chanson-là. Fait que c'était pas mal de ça que je voulais vous présenter. Je sais que c'est une vidéo qui a été un petit peu plus théorique, pour pas dire technique, mais les phrases musicales, il y a tellement plusieurs façons de l'écrire, que ce soit à deux mesures, à quatre, à huit, ou même à douze, à seize, ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous avez en tête. Mais faut juste pas oublier le message que vous avez à passer, puis aussi à l'émotion à véhiculer. Mais globalement, moi je vous dirais les trucs les plus faciles pour débuter une phrase musicale, c'est vraiment d'inclure des motifs. Fait que ce que j'entends par là, c'est comme des mesures qui se répètent sensiblement au niveau rythmique ou au niveau des mêmes notes, mais qui vont changer au fil du temps et qu'il va y avoir certaines variantes qui vont être ajoutées. Puis au travers de ça, si vous voulez vraiment accentuer ça, vous pouvez utiliser un anacrouse. Fait que sur la mesure avant, votre phrase musicale va débuter. Fait que ça va être sur un temps fort. Puis sinon, vous pouvez utiliser les phrases antécédentes ou conséquences. Conséquentes, excusez-moi. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment plus. La phrase va être répétée, mais il va y avoir une variante au niveau de la fin de chacun, au niveau des cadences, justement. Puis ça va ramener une deuxième phrase, mais apportée d'une autre façon. Fait que moi, je vous pose la question, comment est-ce que vous écrivez vos phrases musicales? Puis aussi, est-ce que les anacrouses et les motifs, les répétitions, c'est quelque chose que vous utilisez? Vous pouvez m'écrire ça dans les commentaires. Et ça, je vous ai dit au tout début que la mélodie et les phrases sont assez similaires. Et si jamais vous voulez des trucs pour écrire une bonne mélodie, tout ce que j'ai parlé au niveau de la répétition, justement, vous pouvez avoir ça dans les 5 aides-mémoires de la composition musicale. Et si jamais vous avez d'autres questions ou des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, je vous invite à écrire ça dans les commentaires et moi, je vais vous lire. Donc, c'était comment créer une phrase musicale, deux moyens pour l'enrichir. Je suis Bruno de Composer Simplement et je vous dis, portez-vous bien.